Bonjour et bienvenue à ce 59e chapitre de Lightroom Retouche Express où nous allons travailler sur cette photo que j'ai poétiquement appelée Flatulence et je l'ai postée sur différents forums et on m'a demandé comment j'avais fait le développement. Donc vous allez voir, c'est très simple, vraiment c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur cette photo? On voit ici qu'on a des tons ici qui sont plutôt clairs, des tons qui sont plus foncés par là, et moi je veux faire un noir et blanc très contrasté, comme si c'était un nuage de poudre blanche comme ça au milieu du noir. Donc je vais déjà passer en noir et blanc, et je vais simplement baisser mes noirs. Donc vous voyez qu'en baissant mes noirs, ici, tout ce qui est plutôt ton ombre va vers le noir, c'est ce que je voulais. Je vais monter un peu mes blancs ici pour qu'ici ça soit plus clair. Donc là, je dirais, j'ai la base. Ensuite, pour tout ce qui est structure comme ça, la clarté, ça va être sympa. Donc je vais augmenter la clarté. On voit ici que ça dramatise bien le ciel, ça dramatise bien les structures qui sont là. Alors à vous de décider, est-ce que vous voulez y aller beaucoup, pas beaucoup. Là, ça me va pas mal. On voit que la clarté nous fait apparaître ici des halos qui ne sont pas sympas au niveau de l'avion. On voit qu'ici c'est un peu trop sombre, on voit qu'ici c'est un peu trop clair, donc on va régler tout ça. Un petit filtre radial ici sur l'avion, d'accord? Et on baisse simplement la clarté, donc on l'annule sur là où il y a l'avion, tout simplement. Éventuellement, on peut faire ressortir un peu les hautes lumières là, pour que ça soit un peu plus clair, pour que la sortie de l'avion, là, vous voyez, devienne un peu plus claire. Donc ça c'est fait. Pour le côté ici, je vais prendre simplement un filtre radial. Donc je vais augmenter l'exposition. Donc vous voyez que je ramène ici de la formation. Hein. Donc ici on a éclairci. Et pour la partie là qui est trop claire, je vais simplement prendre une brosse, d'accord, assez grosse. Je vais baisser l'exposition et je vais simplement passer comme ceci. Hein. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors là, ici, peut-être un peu trop, donc on règle un peu comme on veut. Là, j'aimerais passer un peu plus là, j'aimerais passer un peu plus là, un peu plus là et un peu plus là. Voilà. Maintenant, je recadre. Donc, je vais mettre mon avion par là, quelque chose comme ça. Voilà. Éventuellement, un peu de vignettage. Voilà. Et j'ai terminé. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de passer des heures sur une photo pour faire quelque chose, pour avoir un résultat. Alors on pourrait aller plus loin, faire sortir plus de structure ici, par exemple en utilisant un petit filtre radial comme ceci, imaginons, et en augmentant un peu la clarté à ce niveau-là. Donc on pourrait faire des choses qui sont un peu plus locales si on veut, hein. Mais j'aurais tendance à dire que là, j'ai déjà un résultat, moi, qui me plaît bien visuellement. Alors, comme vous avez été sage, on va en faire une deuxième, qui n'est pas pareille, qui est celle-là, mais qu'on va traiter un peu de la même manière. Donc, c'est-à-dire que je vais, de la même manière, baisser les noirs. Donc, je baisse les noirs, ici. Alors, je me mets en noir et blanc, évidemment. Je baisse les noirs. D'accord. J'augmente les blancs. Voilà. Donc, là, quelque chose comme ça me va pas mal. Là, c'est peut-être un peu cramé là à l'intérieur, donc on va voir en baissant un peu les hautes lumières. Voilà, on ramène un peu de structure comme ça à l'intérieur dedans, mais je perds un peu mon contraste là. Donc, ce que je vais faire plutôt en retouche locale. Donc, je vais prendre une petite retouche locale là et je vais baisser un peu les hautes lumières à ce niveau-là pour ramener un peu ici, corriger la partie un peu cramée. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Ensuite, je vais rajouter de la clarté à tout ça pour faire ressortir les structures. Voilà, on fait bien ressortir maintenant tout ça. Je peux ensuite rajouter du vignettage. Donc, je vais rajouter du vignettage ici pour que l'avion ressorte bien. Alors, je vais d'abord recadrer. Pour faire le recadrage définitif, je pense que je vais garder quelque chose qui est à peu près comme ça. Voilà, donc là, ça me va pas mal. J'étais sur mon vignettage, donc mon vignettage ici, pas trop non plus, voilà, mais il faut quand même que l'avion ressorte bien. Et là, ici, ce qui me gêne, c'est que l'avion ne ressorte pas assez. Alors, je vais d'abord augmenter un peu la clarté parce que ça, je veux que ça soit un peu plus clair. Et là, ici, l'avion, je trouve qu'il ne ressort pas assez, donc c'est simple, je prends simplement un petit pinceau, là, et puis je vais augmenter les hautes lumières et puis augmenter un peu l'exposition.
Et je vais simplement passer, alors là c'est un peu beaucoup, je vais simplement passer comme ça au niveau de mon avion sur les parties claires où j'ai augmenté les hautes lumières, donc elles ressortent un peu plus. Voilà. Et un peu ici à l'arrière, et un peu ici également. Et un peu ici sur le fuselage de l'avion, là, comme ça. Et à l'arrière, là, ici, quelque chose comme ça. Donc voilà, je regarde maintenant ce que ça donne. Mon avion ressort bien, là, il est impeccable. C'est ce que je vais faire. Donc majuscule S. Donc avant, après. Vous voyez, on a obtenu ce résultat quand même très très rapidement. Et ensuite, je vais à l'autre. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.